En clôture de cette 29e journée, Lyon 10e reçoit Brest 2e. Vainqueur 3-1 à Nantes il y a une semaine, l'OL s'est donné des chances d'accrocher l'Europe, chose encore impensable puisque Lyon était dans la zone rouge fin janvier. Mais avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, les Gones sont sur une belle dynamique au moment d'affronter Brest qui reste de son côté sur 2 victoires de suite face à des mal classés, Lorient et Metz. Cette fois-ci, les Brestois sont au révélateur face à l'une des équipes les plus prolifiques sur ces dernières semaines. 22 points engrangés sur 27 possibles pour les Lyonnais. La situation avec Anthony Mounier, côté Brestois, et à la 18e minute sur ce ballon que tardent à dégager les Brestois. Corentin Tolisso réalise le geste juste, le petit jonglage pour se tourner dans le sens de la cage et ajuster Marco Bizotte. La frappe puissante de Corentin Tolisso pour son 2e but de la saison. Ça fait 1-0 pour l'OL. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Les Lyonnais ont remporté 10 de leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec notamment cette belle série les emmenant en finale de la Coupe de France à disputer fin mai face au Paris Saint-Germain. Début de 2e période, à l'heure de jeu, Steve Mounier égalise dans son exercice favori, le jeu de tête, le coup franc bien tiré par Romain Del Castillo. Et Mounier remet les deux équipes à égalité. 4 minutes plus tard, coup franc pour les joueurs d'Éric Croix. Il est frappé par Romain Del Castillo qui de son pied gauche trompe Anthony Lopez. Ça fait 2-1 pour le Stade Brestois qui a inversé la tendance en l'espace de quelques minutes. Les Lyonnais sont sonnés mais n'abdiquent pas pour autant. Ils sont en nombre à proximité de la surface de Marco Bizotte, mais se découvrent avec l'accélération de Steve Mounier face à Jack O'Brien. Le Béninois va trouver Doumbia, remise en une touche de balle de Camori Doumbia. C'est une contre-attaque éclair, un modèle. Doumbia pour le doublé de Romain Del Castillo, 8e réalisation pour Del Castillo, son meilleur total en carrière. Del Castillo qui refait le coup de l'ex face à, donc, à son club formateur. En l'espace de 10 minutes, l'OL a encaissé 3 buts. Mais va y croire et revenir à la 70e à 3-2 grâce à son capitaine Alexandre Lacazette. 15e réalisation pour le numéro 10 lyonnais. Volé parfaitement équilibré et quasiment à bout portant. Aucune chance pour Marco Bizotte. Et l'OL poussé par son public va insister. Maitland Niles avec Ryan Cherki pour Tagliafico. Le contrôle est bon et la frappe enchaînée du champion du monde argentin vient se nicher dans le petit filet de Marco Bizotte. 3-0 dans une ambiance en délire à la 79e. L'OL recolle à 3-0 grâce à son numéro 3, Tagliafico, qui marque ici son 3e but de la saison. Une fin de match complètement débridée où il va se passer encore des choses, encore des faits de jeu. Pierre Lesmelou et Nicolas Tagliafico ont une explication virile. Ils vont être exclus tous deux par Monsieur Vernis. Et les deux équipes ont terminé la rencontre à 10 contre 10. Il reste encore du temps, beaucoup d'arrêts de jeu avec ce ballon dans la surface de réparation et Marco Bizotte qui sort les genoux en avant et vient percuter de manière assez violente Alexandre Lacazette. C'est un pénalty sifflé par Monsieur Vernis. On est à plus de 10 minutes au-delà du temps réglementaire. Et c'est Maitland Knights qui vient transformer ce pénalty dans une ambiance indescriptible. 4-3. Et c'est Maitland Knights qui n'avait plus marqué depuis la saison 2018-2019 avec Arsenal. Offre les 3 points de la victoire à l'OL dans une rencontre incroyable, peut-être la plus spectaculaire de la saison avec de multiples rebondissements. L'OL s'impose 4-3 et se hisse à la 7e place avec cette 4e victoire en 5 matchs. Brest reste 2e avant de recevoir Monaco, son premier poursuivant.